What's up les potes, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, on est vendredi, et le vendredi sur Destiny, eh ben, c'est le jour de Xur. Allez, c'est parti. Donc vous avez pu voir également que ces derniers temps, on n'a pas beaucoup sorti de vidéos sur Destiny. C'est vrai qu'on est vraiment parti essayer Black Ops 3, que ce soit le zombie et le multijoueur. Mais ne vous inquiétez pas, on lâche pas le jeu pour autant. On va juste essayer un petit peu Black Ops 3, ça va encore durer quelques jours. Mais par exemple, cette semaine, on va streamer sur le Red Heart, je pense, même ce week-end, donc n'hésitez pas à nous suivre si vous voulez. Allez, donc c'est parti, on va regarder un petit peu ce que vend Xur. Donc, on va commencer avec les titans, on retrouve les cuissons d'Alpha Lupi, donc 280 défense, hein, comme tous les items que vend Xur de toute façon, avec beaucoup d'intelligence. Donc votre super génère un orbe supplémentaire, vous réanimez vos coéquipiers plus rapidement, et il vous réanime également beaucoup plus rapidement. Ça augmente la quantité de munitions pour fusil à impulsion que vous pouvez porter et vous disposez d'une récupération accrue pendant 5 secondes après avoir subi des dégâts de zone cryoélectrique. Vraiment un très bon torse pour Osiris, pour le titan. Voilà, pour jouer en équipe, donc vraiment un très bon torse à prendre pour Osiris. Voilà, vous pouvez l'acquérir contre 13 pièces étranges. Au niveau du chasseur, c'est l'échine du jeune Amkara. Donc avec pas mal de discipline, augmente la durée des grenades laser. Vous recevez une charge de grenades laser supplémentaire. Augmente la vitesse de rechargement des fusils d'éclaireur et la portée des lancers des grenades est augmentée. Donc également pas mal hein, pour le PVP, notamment au niveau des grenades. Voilà, mais c'est clair qu'il y a beaucoup mieux pour le chasseur. Au niveau de l'arcaniste, on retrouve l'arme d'obsidienne, donc avec 34 d'intelligence jusqu'à 49 et 52 force. Les frags réalisés avec la bombe Nova réduisent le délai de récupération de votre prochaine bombe Nova. Vous obtenez de l'énergie de super supplémentaire en cas de frag à la grenade et vous récupérez des points de vie quand vous ramassez un orbe. Donc également vraiment un casque qui est pas mal pour le PVP. Voilà, moi je joue vraiment avec la bombe Nova en PVP au niveau de l'arcaniste. C'est vraiment un casque que j'aime beaucoup. Mais je pense également qu'il y a mieux comme équipement au niveau de l'arcaniste. Pour la collection, c'est toujours bon à acquérir contre 13 pièces étranges. Vous avez aussi les engrammes d'exotique. Donc ça voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous permettra d'obtenir un gant exotique. Et vous avez également l'engramme classique de Thor. Donc là, ça vous permettra d'obtenir un item de l'année 1 au niveau du Thor, donc contre 29 pièces étranges. Voilà. On retrouvera l'hélice d'émeraude et le moteur furtif, donc au niveau des améliorations du passereau. Comme d'habitude, des cartouches d'armes lourdes. Alors pour ceux qui ne savent pas, je vous conseille vraiment d'aller voir Eris ou encore d'aller voir Varix, même au niveau du... En train de perdre mes mots, au niveau du récif, pardon. Vous avez aussi les 3 deniers, je vous conseille également de les acquérir, c'est vraiment mieux, hein, même je vous conseille vraiment plus d'acquérir des 3 deniers que d'acheter des engrammes chez Xur. Vous pourrez aussi acheter des épines de verre et échange de matériaux. Pour moi, c'est devenu quasiment inutile, les particules de lumière en loot vraiment beaucoup. Et les pièces étranges, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué à aller chercher. Donc vraiment, l'échange de matériaux pour moi est devenu quasiment inutile chez Xur. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Bon, l'inventaire, c'est clair qu'il était beaucoup mieux ces derniers temps. Là, c'est vrai que c'est un petit peu limite. Mais bon, voilà, c'est Xur. On fait quand même avec, pardon. C'est vrai que pour ceux qui n'ont pas les équipements, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss !